salut à tous et bienvenue sur le temps.jp. Enfin, parce qu'au moment où je vous parle, il est 15h et des bananes, l'iPhone X, l'iPhone 10, puisqu'on prononce comme ça apparemment, l'iPhone 10 vient d'arriver. C'est un vrai déballage, clac, clac, clac. Je voulais faire une vidéo où j'arrive devant la caméra en vous faisant « Oui, je suis trop content, je l'ai », etc. Mais vous l'entendez à ma voix que je suis trop content et j'ai tellement envie de jouer avec et surtout de le configurer que je vous fais juste ce plan-là, etc. Alors aujourd'hui, on fait juste une vidéo du déballage de cet iPhone X. Je vais le configurer un petit peu, etc. Et c'est ce que vous aurez ce soir sur le site. Donc cet article sort aux alentours des 20h comme d'habitude. Durant le week-end, j'aimerais beaucoup faire un test vidéo, qualité photo, qualité vidéo, de comparatif avec l'iPhone 7 Plus, histoire que vous voyez réellement à quoi ça correspond et ce que ça donne. Et vous publiez ça dimanche. Ou un test de coque. J'ai également plusieurs coques à tester pour cet iPhone 10, puisque moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est que personne l'a eu entre les mains, mais tout le monde a fait des coques, savoir si les coques sont bien ajustées ou pas. Et ensuite, au bout d'une semaine, donc le week-end prochain, je vous ferai le vrai test de cet iPhone 10 après avoir joué avec durant une semaine, avec les recharges à induction, etc., etc. Je vous propose donc de déballer, c'est un vrai déballage comme vous le voyez, j'ai été sérieux là-dessus. La boîte est différente par rapport à d'habitude. On a des petits reflets. Alors, je vais regarder l'écran plutôt que regarder la boîte en réalité. On a des petits reflets métalliques autour. Il y a vraiment vous le voyez un petit peu. Il y a un vrai reflet métallique sur la boîte. Ce sens du détail, moi, me rend fou. C'est génial. Le carton est fabuleusement fabuleux. C'est un 256 Go. Et encore une fois, si vous avez été totalement déconnecté d'Internet, cet iPhone m'est offert par les lecteurs de Locan.jp. Alors c'est l'iPhone 10 qui fête les 10 ans de l'iPhone. Et c'est également, alors un heureux hasard, l'iPhone qui va fêter les 10 ans de Locan.jp, puisqu'en janvier, Locan.jp, Locan.fr avant, aura 10 ans. Et cet iPhone m'a été offert via une cagnotte par les lecteurs de Locan.fr. Et donc un immense merci à tous pour ce magnifique cadeau. C'est aussi pour ça que je vais vous faire plusieurs vidéos de cette bestiole, parce que elle serait pas là sans vous, tout simplement. Donc, c'est trop beau. Alors, le truc qui est chiant, en fait, c'est qu'avec ces vidéos-là, des vidéos, vous en voyez plein sur Internet, etc. Et elles sont toutes, à chaque fois, vous voyez un truc qui est joli, qui brille, etc. Sauf que quand on le déballe en vrai, ça n'a rien à voir avec avec ce que vous avez pu voir déjà sur des vidéos. Donc ça, c'est des prospectus, les petits papiers habituels, comment on configure un iPhone, etc. C'est cool que ça soit là, mais foncièrement, on s'en fiche. Ça brille, c'est un truc de malade. Il est très lourd, très dense par rapport. Et c'est aussi le premier que je vois noir en vidéo. Jusqu'à maintenant, j'ai vu que des blancs. Il est très dense. Il est vraiment massif. Il est lourd. Et j'adore ça. J'adore qu'il fasse son poids. Ça fait vraiment. On sent qu'on a un truc dans la main, un truc dense, un truc fonctionnel, etc. C'est. Putain, c'est beau! Encore, il y a les plastiques dessus. Bref, après, bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous le savez, comme d'habitude. Ça, moi, je le déballe jamais, ce qui fait que quand je me sépare de mes iPhones, tout est encore neuf. Mais ça, c'est juste grandiose. Donc, on va enlever le plastique. Et en fait, ça brille autant que quand il n'y a pas le plastique. Clac, clac. Et très rapidement, dessus, moi, je vais mettre une coque qui est juste derrière, en fait, qui attend depuis un petit moment. C'est une coque quadlock. Alors, je suis désolé, pour avoir un joli bijou comme ça et le mettre après dans une coque quadlock, ça va faire râler pas mal de personnes. Mais du coup, voyons si, par exemple, quadlock a bien anticipé le truc. Et ça m'a l'air parfaitement ajusté au niveau de la caméra, surtout. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et en termes de taille, c'est juste impeccable. Le bouton parfait, impeccable. Il n'y a rien à dire. On va démarrer ça. Clac, gentiment. En appuyant sur le bouton du côté. Et c'est un écran OLED. Vous voyez le notch un petit peu en haut. L'espèce de petit débord où il y a donc tous les capteurs de Face ID, etc. On va essayer de configurer Face ID ensemble. On va voir comment ça démarre, tout simplement. Je ne sais plus dans quel sens. Donc, il y a du True Tone dessus. Vous ne le voyez pas, mais moi, puisque l'appareil photo fait la balance des blancs, moi, l'écran est jaune et c'est vraiment très, très agréable. Il va falloir que je mette ma carte SIM dedans. On va faire un swipe to open. No SIM card installed. On va commencer par ça. Je fais une petite pause et on revient avec la carte SIM. La carte SIM est fraîchement installée dedans. Vous voyez, il y a de la 4G d'ailleurs. On slide vers le haut. Comme vous le savez, moi, je mets toujours mes iPhones en anglais. Hop, setting language.
C'est classe. L'écran, la qualité de l'écran, tout est vraiment taillé au couteau. L'OLED fait toute la différence. Quick start, on va faire un setup manual. Ah, quoique, normalement, je devrais pouvoir. J'ai jamais fait encore, mais normalement. Donc, un truc que j'ai jamais fait, c'est configurer le nouvel iPhone depuis l'ancien, comme une Apple Watch en fait. Je rapatrie les données de cet iPhone depuis l'ancien iPhone. C'est magnifique, les bords, c'est bluffant là. D'autant plus avec une coque, j'ai l'impression de tenir une coque en fait et d'avoir un écran en entier que dans les mains. C'est hallucinant. Ne peut pas être activé parce que le serveur d'activation ne peut pas être connecté. Eh ben c'est super ça, c'est bravo les gars. Franchement, top, top, top. Un jour de sortie d'iPhone X, de ne pas avoir les serveurs actifs ou réactifs du moins, c'est magnifique. Donc on va retenter. Le fameux truc différenciant de l'iPhone X, c'est que c'est le premier, depuis que Touch ID existe, à supprimer Touch ID. Et donc via les caméras qui sont situées ici et les différents capteurs, capteurs infrarouges, capteurs de profondeur, capteurs de reconnaissance faciale, etc. Ça va permettre à l'iPhone de se déverrouiller via Face ID. On va configurer Face ID. Et on va tester de voir à quoi ça correspond, si même je peux le filmer, alors que first position you finish camera framed and move your head on second show get started. Voilà, donc vous voyez, il y a l'appareil photo, je vais me mettre sur le côté, vous voyez normalement. Hein. Hop. Le premier scan est complet, on en fait un deuxième. Et le deuxième scan est complet. Comme vous voyez, ça va super vite. Continue. Et là, je restaure depuis mon backup iCloud. Et vous n'avez pas besoin de voir mes identifiants. Alors, comme il s'agit d'un nouvel iPhone avec des nouveaux gestes, la restauration est effectuée. J'ai mis ma coque dessus, la quad lock. Et j'ai mis un écran de protection également dessus. Pour pas faire les mêmes bêtises qu'avec l'iPhone 7 Plus. On verra après si des gens se plaignent que les écrans se rayent. Mais en attendant, le mien est protégé. Apple vous explique comment fonctionne donc le swipe vers le haut, le swipe d'application vers application. Donc il y a effectivement le monté et on attend, ou les slides directement en bas, que moi je trouve très sexy, ou le comme ça pour passer d'une application à l'autre. Clac, continue, le control center en haut à droite et welcome to your new iPhone. Et voilà, mes applications sont en train de se restaurer tout gentiment, ça va relativement vite et c'est trop sexy. Donc effectivement, si on descend là, j'ai mon control center, j'ai de la place en bas pour rajouter d'autres trucs si je veux en rajouter d'autres. Le pourcentage de batterie n'est affiché que quand vous êtes dans le control center. Si vous êtes ici, vous n'avez pas le pourcentage de batterie, ce qui est assez dommage. Et use this device when sharing a location. Yep. Et puis voilà, grosso merdo, donc l'iPhone est en cours de restauration. Je viens de tester, la recharge par induction fonctionne parfaitement avec la coque quad lock. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Je prends en main ce petit bébé, je finis la restauration d'abord. Je prends en main ce petit bébé et je reviens vers vous très rapidement pour vous faire des petits retours complémentaires dessus. Merci encore et à très vite, des gros bisous, gros bisous, gros bisous.